Yann, il y a des portes dans tous les sens, c'est la base du vaudeville. Ah, c'est un vrai vaudeville, c'est la biche, on est dans un vrai vaudeville, sauf que la plupart du temps, un vaudeville parle du mari, la femme, l'amant, ça c'est le motif de base, mais ici c'est une histoire de meurtre, c'est une histoire policière, et donc c'est un vaudeville qui est un peu particulier quand même. Hein ? On a ronflé dans mon alcôve ! Nom de petit bonhomme, j'ai ramené quelqu'un sans m'en apercevoir ! De quel sexe encore ? Enfin, tu as levé ! Ma femme ! Eh bien, tu ne m'embrasses pas ? Chut ! Elle va le réveiller ! La biche dit... Je veux pas vous emmener dans une intrigue policière, etc. Ça a l'air d'être ça, mais c'est pas ça. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est la scélératesse de ces personnages. On va décortiquer, on va regarder comment ça fonctionne. Et en fait, la mécanique du rire va être au service de la mécanique de la peur. Et on va voir ce que produit la peur chez ces personnages qui seront du coup prêts à tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Un tour de cheveux blonds ? Pas simple, monsieur. Un tour, mais alors c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur. Eh ben, c'est pour toi. Un cadeau. Mais j'ai des cheveux. Ah oui, mais ils tomberont. C'est pour l'avenir. Si vous voulez tout savoir sur l'affaire de la rue de l'Oursine, vaudeville absurde écrit par Eugène Labiche en 1857, rendez-vous à Cherbourg-Octeville ou à Argentan. Tu m'as vu cette nuit. Je vous ai même suivi. Vous battiez les murs et tout ce qui se trouvait devant avec mon parapluie. Pif, paf, pan. Oh, la malheureuse. Vous allez bien, hein, quand vous vous y mettez. Mais je te jure que c'est la première fois que je m'y mets. Pauvre femme. Mais votre femme n'en saura rien. Oui, mais l'autre.